excusez-moi, c'est la mairie que vous regardez? Elle est belle, hein? À l'origine, la mairie, ou plutôt la maison commune, était bien plus grande que celle que nous connaissons aujourd'hui. La partie avec le café derrière moi faisait également partie de cette maison commune, seulement au début du XVIIIe siècle, parce qu'il faut financer des ouvrages de protection de la baie, la communauté a quelques besoins financiers et donc va vendre une partie de ce bâtiment commun à un particulier, François Rivière. On est en 1706. François Rivière est un bourgeois, un marchand, et il va s'approprier le bâtiment, il va le marquer. Et ça, ça se voit très bien, on va les voir. Regardez, les poutres devant toi, elles sont pas du tout pareilles sur la maison Claret, ce qu'on appelle aujourd'hui la maison Claret, que sur la mairie. Et puis on trouve quelque chose sur le balcon. François Rivière avec sa femme, des initiales FR, François Rivière, et une date 1709. D'ailleurs, François Rivière nous rappelle bien que c'est un bourgeois, que c'est un marchand. Il y a un élément assez distinctif. La perruque. Une perruque coûte cher, cela peut demander jusqu'à 80 heures de travail. C'est donc un signe distinctif, un signe de richesse. Alors si vous voulez en savoir plus sur le patrimoine lusien et sibourien, le Pays d'Art et d'Histoire vous a préparé ce programme d'été. Merci pour découvrir notre patrimoine en toute sécurité avec des visites inédites. À très bientôt.